Salut à tous et bienvenue pour la cinquième vidéo sur A Plague Tale. J'espère que vous allez bien. Alors normalement tout devrait aller mieux puisque j'ai changé la configuration du micro. Vous devriez m'entendre un tout petit peu plus. Donc nous avions arrêté la dernière fois sur la révélation de l'alchimie, du mal ancien qui ronge Hugo. Et donc là, on va voir la suite de l'histoire que je n'ai pas vue. Donc installez-vous confortablement et préparez-vous à vivre une petite expérience, on va pas dire horrifique, mais un peu angoissante dans l'époque de Plague Tale. Allons-y! Lucas? Oui? C'est quoi cette chose? Dans son sang? Il y a une vieille histoire. Elle parle de la prima macula. Les alchimistes appellent ça la première corruption. Et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit. La brisure. Et la macula s'est réveillée. Dans le sang d'Hugo. Mais... qu'est-ce que ça va lui faire? La macula ignore le bien et le mal. Elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses, le monde. Tu sais, ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère. Mais ils ont échoué. Non. Je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Debout, on va mon petit marcher. Hugo. Ça va te réchauffer. En suivant la Duc, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Des grenouilles? Rappelez-vous, hein. Allez bien. Oui, croisons les doigts. Il avait dit qu'il en avait jamais vu. Des grenouilles, il y en a partout. Alors, nous, on explore, hein. On regarde si jamais il y a de quoi. Ça va, t'as pas froid? Un peu, si. Ça a l'air de gêner Hugo. Au moins, il se réchauffe. On regarde un petit peu si on peut pas choper. Là, il s'éloigne trop. Du craft. Ou ce genre de choses qui pourraient nous permettre d'améliorer des outils. Intriguant, hein, cette histoire qui tourne autour de Hugo. J'espère qu'on en apprendra un peu plus. Prima Macula. Hugo, où est-ce que tu vas? Oh. Ok. Hugo. Ah, il s'est encore éloigné. Ne jamais laisser un gosse. Ah. Donc là. Hop là. Bon, quand on nous donne des pierres comme ça dès le début. On regarde un petit peu s'il n'y a pas de quoi prendre. S'il y a des pierres dès le début, ça craint. Oh. Oh bah tiens. Regardez, je suis un chevalier. Un bouclier anglais. Où as-tu trouvé ça? Là-bas, c'était par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Non, t'es pas drôle. Allez, avance. Tu sens cette odeur? Oh, oui, ça sent mauvais. Ouais, c'est horrible. Rappelez-vous qu'en plus de la peste, on parlait bien sûr des envahisseurs anglais, hein, il fut un temps. Alors, j'ai envie d'aller par là pour la suite, mais je sais pas si par là il y aurait pas du craft ou un truc du genre. Peut-être deux, trois trucs. Regardez. Vous faites quoi?
sûrement quelque chose ici. Du cuir. Le problème c'est que si on va par là et que de l'autre côté c'était juste un petit passage dans le tout. Non, c'était suivre l'aqueduc, donc l'aqueduc c'est là-bas. Donc ici on peut regarder ce qu'il y a. Bon là il n'y a plus rien. Donc j'ai ramassé du cuir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à ramasser? Bon, ici ça mène pas nulle part. Le jeu est bien fait hein, quand même. Hein. Franchement, pas mal. Ça plonge bien là-dedans. Ok, donc on est arrivé par là, il me semble. Faisons notre c'est petit bizarre. Tour. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont vraiment mauvais. Si vous voulez mon avis, je crois que ça va être des corps qui sont en train de pourrir ou un truc du genre. À savoir que ça c'est vraiment une partie que je n'ai jamais fait. Jamais vu. Oula. Ah bah ouais, champ de bataille. Oh, trébuchés et tout. Oh mon dieu. Ils sont tous noirs. Oh là là. Ouais bah ouais. Amicia, il faut qu'on suive la Duc. Amicia, on va leur marcher dessus. Je sais, Hugo, mais on n'a pas le choix. Je sens le mec qui est pas tout à fait mort et qui va choper à un moment. Il leur fait mal, tu crois? Ouf. Avance, Hugo. Avance. Ouais, juste parce qu'on est un peu sadique, on va marcher sur un peu plus de corps. Pour atteindre cette partie-là, peut-être des choses intéressantes ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Déjà, moi ce que je peux voir, c'est qu'il y a des torches. On devrait pas être ici. Oh, cette odeur, c'est insupportable. Je me sens pas bien. Ne regarde pas. Ah, là-bas il y a un truc qui brille. Oh. Ça sent jamais bon ça. Continue à suivre les torches, parce que les torches c'est la vie. La lumière c'est la vie, comme je dis toujours. Je reviens un petit peu. Toujours rester dans la lumière. Puis je pense que si elles sont là, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il a ce cheval, Lucas? Je sais pas. Oh, j'ai pas trop envie de savoir tout de suite. On va attendre un petit peu. Bah regardez, on a bien fait d'attendre. Hop là. Il y a quoi là-dedans? Ah, cool, je suis plein. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ici? Wow, putain la vache. Oh non, les rats, ne vous approchez pas. Il y en a partout, Amicia, partout. Mais c'est pas vrai. Mais il s'est approché du cheval, ce con. Ah ouais, mais... Bon, pas que, apparemment, mais... On n'a pas trop le choix là. Faut y aller vite. Hein. Voilà. Ah, c'est spécial. Hein. Ok. Donc là, faut aller là. Hop là. Il y a un mec là-bas. Il y a un mec là-bas. Est-ce qu'il faudrait pas le tuer? Là-bas, ça c'est pas des soldats. Ils faisaient quoi? Ce sont des pillards. Ils cherchaient des choses à voler. Mais pourquoi? Pour survivre, sans doute.
comme nous. C'était l'horreur de l'époque. Alors, je suis en train de chercher un endroit où aller. Je pense que c'est ça qu'il faut que j'allume. Exactement. Voilà. Bon, là on y est. Oh. Un coup de main ? Pas de problème. Alors, tournez la manivelle. Oh, je pensais pas que ce serait si dur. Et ouais. Hugo, il va falloir que tu traverses. Il y a des rats partout. On doit ouvrir un chemin. Ok, alors le chemin, ça va être quoi? Avec ça? Est-ce qu'on va faire comme ça? Alors. Je suis un peu malade. Excuserai un peu. Allez, vas-y. Hein. Je pense qu'il y a moyen que ça passe quelque chose. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Oui, oui. Oh, fais attention. C'est bon. J'ai réussi. Viens. Reviens. Allez. Oui, hein. Reste pas là-bas. Voilà. Oh, mes bras, ils sont tétanisés. T'as fait de la muscu, gros. Qu'est-ce que tu veux? Allez, donne-moi ça. Merci. Bien joué, bien. Tous les deux. Donc, du coup, si tu pouvais m'éviter de me prendre la place, où est-ce qu'il faudrait que je passe? Par là? Ouais, par là, tout. Ouais, c'est par là. Oh merde. Oh merde. Non, mais c'est bon, j'ai pas fait exprès, ramasse. Oh, faut recommencer. Bon, okay. Attendez ici. Je fais vite. Je... Aide-moi avec ça, tu veux? J'arrive. Bah, tu referas de la muscu, écoute. Ah ouais, faut vraiment pas faire le con, parce que si tu fais le con... J'ai besoin que tu le fasses. D'accord. Si tu fais le con et que tu lâches la brindille comme je viens de le faire, eh bien, t'es obligé de le refaire, tout ça. Voilà. Allez, donne-moi ça. Hop là. D'accord. Et c'est ça qu'il faut faire. Ok. Let's go. Hein. Dans les herbes, vite. Il faut pas qu'il nous voit. Amicia, sa lanterne. Ouais. J'ai compris. C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon dieu, c'est horrible. Mais ça a marché. On peut passer? Ça brille là-bas? Qui brille là. Oh, attends, hop. Monte, je vais t'aider. D'accord. Est-ce qu'on a bien fait de monter là? Oh, pardon. Alors apparemment il y a des choses intéressantes. Bon, ok, donc on se retrouve avec du soufre. C'est bien, 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 bien. Du coup, ouais, il y a des rats. On va pouvoir descendre. Allez, hein. Oh, il se régale, hein. Ça se régale. Écoute, c'est un mets 5 étoiles. Allez, hop, dans la lumière. Il y a trop de rats.
On est coincé. Non. Il y a un truc là-bas que j'ai vu. Donc là-bas, ça brille. Ici. Ah bah voilà. Voilà. Olé. Et bisous. Hein. Eh ben dis donc, bon appétit. Eh salut. Hein. Salut, salut. Bon, on est bien arrivé à destination. Alors là, il y a de la pierre. Ah, un établi. Bah, je vais peut-être aller. Attendez ici. Attends-moi ici. Toi. Je reviens. Je t'attends. Ouais, attends-nous. Il n'y a personne. Pourquoi on parle comme ça? Ok, donc là on va faire ça. Ah, il nous manque des outils. Bon, il y a des outils en moins. Qu'est-ce qui... Ah, ça m'agace. Les outils doivent être cachés quelque part, pas loin, normalement. Je pense, j'imagine. Sinon, ça serait un peu bête d'avoir mis un établi sans les outils. Là, il y a des pots et tout ça. Non, mais il n'y a pas d'outils ici. Ok, bon. Le monsieur qu'on a tué, assommé, là, il est... Miam. Ah, là. Là, il y a les outils. Les outils. Alors. La corde. C'est manqué. Okay. C'est con parce que ça aurait été sympa. Ouais. Bah, le seul truc que je peux monter, c'est la corde. Ok, on y va. Ça va me simplifier la vie. Mais tout à fait. Ah, allez. L'amélioration numéro 3, elle est vraiment badass, quoi. Vraiment badass. Parce que du coup, la fronde ne fait plus de bruit, c'est vraiment ouf. La voie est libre. J'arrive. Pas totalement, mais... Alors... Bon, ça c'est fait. Hop. Je vais juste utiliser ça, comme ça je peux ramasser les pierres. Va pousser. Je vous aide. Attention, ne te brûle pas. Alors, où est-ce qu'on va? Ah, 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 ah. On peut pas passer par là, bah non. On fait trop de bruit. Ils vont nous repérer. Ah bah, ah bah, à table. Ok, bon, alors comment on va gérer ça? Ça c'est la question. C'est la question, parce qu'on fait trop de bruit, ok. Je suis d'accord, à moins de... Ouais, on va voir. Allez, venez là. C'est bon. Venez. D'accord. Ah ouais. Non, un soldat.
Eh oui. Ça, c'est pas ce que tu m'as fait tout à l'heure, enfoiré. Bon. Eh bien, j'ai récupéré un pot. Alors, je vous aide. On y va. J'y ai pas pensé plus tôt, c'est vrai que j'aurais dû y penser. On regarde juste un petit peu à droite à gauche. Non, y a pas de. Y a pas de loot. Allez, hop, on y arrive. Hein. Ouais, c'est les derniers centimètres les plus longs apparemment. Les roues sont embourbées. On va continuer ça. Venez. Nous aussi on est embourbé là. Qu'est-ce que tu cours ? Tiens le mieux que ça ! Dégueulasse ton truc. Ah, ça va, je veux juste ses dents. Ouais, enfin, quand même. Ben quoi ? C'est plus que de la viande à rat. Ouais, t'as raison après tout. Il faut qu'on continue à suivre l'aqueduc, Amicia. Mais il y a des rats partout. Chut, on va trouver une solution. Tu veux pas que j'essaie ? Là-bas, une torche. Si j'y vais seul, j'ai une chance. Je prends un autre. C'est pas celle qui manque. Attendez ici, et pas un bruit. Bien, à tout de suite. J'en peux plus de ces rongeurs. Et vous avez rien de mieux à foutre que vous acharner sur un cadavre ? Y'a vraiment pas moyen que. Ok, donc ça c'est comme ça. Alors, je présume qu'il va faire le tour. Ouais, c'est bien ce que je pense. Il va faire le tour, faut que je suive. Ouais, mais du coup, il faudrait peut-être qu'ils me mettent la commande pour passer au-dessus du mur, non ? Attends. Est-ce que ce serait pas eux qui gênent ? Restez là. Pas un bruit. D'accord. Ah non, c'était ça. Ok, d'accord. Ouais, moi, je pensais passer au-dessus. Moi. Après tout, ça aurait fait sens. On passe au-dessus de plein d'autres murs, donc... celui-là n'aurait pas été un mur de trop, mais... Et là, du coup, les gars, faut passer là. Ah ah. Ok, bon, ils ont l'air d'avoir le dos tourné. Ouais, ils ont pas l'air d'être trop chiants, donc ça va. Donc là on y va. Et voilà, on vient de passer cette épreuve. Ok, donc ici il y a ça. On a quoi d'autre ici? On a des pendus. Ils ont des bâtons dans le ventre. Ouais. Ne regarde pas. Essaie d'ignorer tout ce que tu vois ici, Hugo. Il y a des gens qui sont morts partout, mais tu fais comme s'ils étaient pas là, d'accord Hugo? D'ailleurs, ils sont bientôt plus là les gens, hein. Ouais. Tu me fais là. Voilà. Monsieur, la tour.
apparemment il y a quelqu'un à l'intérieur. Ah ouais, il y a un soldat là-bas. Amicia, il peut pas sortir. Chut. On est obligé d'avancer. Ok. C'est pas trop tôt. Oh non. Hey, oh, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Je suis désolée. Oh. On va sortir. Amicia. Faites pas ça. Par là. Allez. Ah, peut-être qu'on aurait pu le sauver. Bon. Mais bon, c'était un soldat et Oh non, la torche. On fera sans, Amicia. T'es pas doué. T'es pas doué, Amicia, hein, sérieusement. Hein. Genre, tu peux pas tenir une torche. Vraiment. Vraiment. Bah, bravo. Ok, ok, donc là on a un soldat. Il y en a qu'un, ok. Il y a un soldat, il bloque la route. Je ne vois pas d'autre chemin. C'est pas vrai. On n'a pas le choix. Faut le prendre par surprise. Tiens, prends ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces choses? Du somnum. Tu vas voir, mélange-les. Élimine silencieusement un ennemi. Aha. Comme ça. Voilà. Maintenant tu vas l'écraser sur son visage. Mais t'es fou, Lucas. Non. J'espère que tu sais ce que tu fais. Donc on dort définitivement. Définitivement, d'accord. Approchez-vous discrètement dans le dos d'un ennemi. Appuyez sur triangle lorsque l'icône apparaît pour l'utiliser. Ok. Attends, reste là, toi. Je reviens. Il dort, t'es sûr? Alors, s'il reste du somnum dans votre inventaire alors qu'un ennemi vous attrape, vous pourrez l'utiliser en dernier recours pour échapper. D'accord, bon bah. C'est pas mal, mais il manque du tissu. Donc ça va être très compliqué d'en avoir. Mais c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée. Hop là. Donc. Salut vous. Ah, attends. Et on y va. On y va. On rush. Une autre machine. Elle a l'air un peu différente. Un petit peu, ouais. Salut. Donc là j'ai du tissu en plus. Il va nous falloir du feu pour passer. Ouais, il faut du feu. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Est-ce qu'on peut la bouger? Je vais essayer. Ah. Je vais lâcher. Attention! Mais il ne faudra pas traîner. Ah oui, d'accord. Ne bougez pas. Je reviens. C'est bon. Venez. Me voilà. Hop. Il est où? McFly? Ah, il est coincé là-bas. Tu peux t'en charger? D'accord. Il est coincé là-bas. Bon, ça va, j'ai la commande, donc du coup, il peut viendre. Allez, viens. Restez là, j'arrive. Venez par ici.
Oui, j'arrive. Ah, d'accord, non, d'accord. J'ai besoin que tu le fasses. Je peux pas, Amicia. Ah. Forcément. Oh. Ah. Et là, tu peux. Le faire ? Là, tu peux. Bon. Ce petit puzzle comme ça, c'est sympa. Faut réfléchir un petit peu. C'est sympa comme jeu. Sur ce point-là. Ramène-toi vite. C'est bien. Parce que sinon. Ils vont te bouffer les miches. Tu vas point rigoler, mon ami. Ok. Donc Hugo, hop là. Et voilà. Tu peux t'en charger. Très bien. Oh, tu fais un peu de sport, hein. Wow. Voilà. Bon. Alors cela, ça doit nous amener là-bas. Attends. Allez, vite. Vous avez réussi. C'est Hugo qui a fait le plus dur. You did it. Moi, je veux juste qu'on parte d'ici. Moi aussi. Allez, on n'est pas encore au bout. Oh. J'ai eu un peu peur. Bon. Alors, regardons un petit peu. Où est-ce qu'on peut passer? Est-ce qu'on a un truc pour nous faire passer? Parce qu'en fait, elle, dans sa cinématique. Ah, ici. Il y a du feu derrière ce chariot. Hop, et salut. Il n'y a pas que du feu, malheureusement je n'ai pas d'outils. Il y aura un outil dans le coin. Si c'est pas le cas, bah tant pis hein, mais forcément il n'y en a pas. Hop là. Elle est passée hein. Bon, vous montez pas dessus non plus. Ah. Tenez-vous prêt, on va devoir rester dans la lumière. Allez, allez. On le retient pas? Non, cours. Je suis pas sûr là. Pour l'instant, ça marche. Bon, eh bien, ça a marché. Ouais. Moi, je m'attendais à un truc, genre le chariot va s'éclater contre le truc et plus de lumière. Ça aurait été bon, ça aurait pas changé grand chose, mais bon, c'était sympa ce petit truc. Les animations et les décors sont voilà. Est-ce que c'était la chose à faire? Je ne pense pas, du coup. Sur la tour, ce sont des... Oui, des corps. Et ce sont des corps qui brûlent. C'est des gens qui brûlent. Ne regarde pas. Et du coup, ça fait de la loupiote. Mais ça fait de la lumière, mais comment on pourrait faire? Alors, est-ce que j'ai pas fait le con? Est-ce que le garde, il aurait pas fallu le dégommer ici et pas là-bas? Ou le dégommer pour dire d'être tranquille, quoi, mais... Ah, attends. Attendez. Attendez ici. Tout n'est pas fait fini. Vite. Oui. Mais non. Allez, salut, toi. Venez, la voie est libre. D'accord. Hop, on se met le plus proche possible du truc et on y va, go.
Et je vois les gens qui brûlent. Brûlez, mes crayons. Oh, oh. Venez là. Attention, cours là. Hop là, voilà. Je peux pas. Amicia, je me sens bizarre. Qu'est-ce que tu as? Ma tête. La macula. Il doit sortir de là. Hugo? Hugo! Pense aux grenouilles. Tu te souviens comme elles sautaient? Tu courais après. Allez, viens, on va en chercher d'autres. Oui, on doit s'en aller d'ici, Amicia. Oui, on va s'en aller, on va quitter cet endroit, hein. D'accord. À chaque fois qu'il a la trouille, hein. Bon. On arrive à la fin, hein, bien sûr. Oh, allez. Bien sûr, maintenant on a des soldats. Ils sont vraiment nombreux. Oui, mais on n'a pas le choix. Courage, les gars. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais qu'on n'est pas assez nombreux. Et je sais aussi qu'on aimerait être loin de ces putains de rats. Mais ce sont nos morts. Ça aurait pu être vous. Et vous auriez voulu qu'on vous offre une sépulture décente. Ils sont morts pour l'Angleterre. Allez, la cuillère est à nous. Donc on va prendre ça. Il y a eu un bruit. J'ai bien entendu. On y va, on passe, hein. Go, 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 go. Bon, ça c'est fait, on peut pas nous voir dans le dos, donc là ça va. Amicia, okay. Je suis très fatiguée. Regarde, on voit des arbres à nouveau. Je pense qu'on arrive au bout. Enfin. Faut vraiment qu'il se repose le tuyau. Laisse-nous partir maintenant. Laisse-nous et on reviendra plus, c'est juré. Tu rêves. Chez nous, les pillards, on les exécute sans penser. Hey, et eux alors? Tu leur dis rien à eux? Hé hey. Maintenant. J'ai cru que c'était des grosses balances en fait. Ici. Viens, on les suit. Là-bas, ils s'enfuient. Faut y aller, hein, courez, hein. Et bien c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et à très vite pour le prochain épisode. N'oubliez pas le like, le commentaire et à vous abonner. Et on se dit à bientôt, ciao, bisous.